Je m'appelle Thibaut de la Baronnière, j'ai 34 ans, je suis consultant en immobilier d'investissement, je suis diplômé d'HEC Paris et du DSCG et j'ai travaillé toute ma carrière dans le conseil en investissement financier, coté, non coté et immobilier. J'ai entendu parler de la collecte de fonds des alchimistes par la plateforme lita.co. Je crois beaucoup à la pertinence du projet et du modèle et à l'équipe qui porte les alchimistes Occitérin. Non, c'est pas la première fois. J'ai notamment déjà investi dans une société via lita.co qui développe l'agriculture souterraine et optimise l'usage des parkings dans les zones urbaines. Je pense que les alchimistes Occitérin ont vraiment tout pour réussir, un contexte légal qui est porteur, une conscience citoyenne de plus en plus importante et un besoin de faire plus attention à ce que l'on fait avec la terre. À la maison, j'ai un lombricomposteur avec tout plein de vers de terre qui mangent nos restes alimentaires et les emballages carton qu'on n'arrive pas à ne pas utiliser. Ne pas prendre la voiture pour aller travailler, réduire sa consommation de viande et puis ne pas acheter de neuf. Production de compost, valorisation des déchets et insertion des personnes. La diversification. Je ne mets jamais tous mes œufs dans le même panier, une règle de base. On peut tous réduire notre empreinte carbone. Ce qui manque, ce n'est pas la capacité, c'est la volonté.